ici salut. Romain. Stop. Pour une nouvelle vidéo qu'on va espérer qu'on va faire plusieurs fois. C'est une petite expli partie, attention. Du coup, là, aujourd'hui, on va vous présenter la crypte de Sedlec. Je le fâche parce qu'il tape sur la table. Ouais, je sais, mais j'aime bien taper une batterie. Bref, la crypte de Sedlec, juste là, un petit jeu pour 2 à 3 joueurs dans la gamme microgame. Et de quoi ça parle? Alors, Sedlec, déjà pour les nulos, c'est un ossuaire en République tchèque. Ah bah, j'étais nul. qui a été créé à cause de la peste, du coup, donc vous imaginez plein de crânes dans un ossuaire, et du coup, on va récupérer des crânes petit à petit et essayer de marquer des points par rapport à ça. Il y a 5 types de crânes qu'on peut trouver. On a un petit récap ici. Juste ici, on va trouver des rois, parce que les rois aussi sont morts. Il n'y a pas que les pécores qui sont le suivant. Juste ici, nous avons les prêtres. Nous avons les gens amoureux, les romantiques avec le petit cœur. Et pour finir, on a les criminels. Ce sont des crânes, qu'on va forcément retrouver sur les cartes. Et il y aura à chaque fois deux crânes, par carte. Très bien. Et pourquoi il y a plusieurs types de personnages alors? Parce que on va essayer de marquer des points par rapport à ça. Suivant le nombre de joueurs, on va faire soit une pyramide qu'on peut voir installée juste ici, soit une pyramide installée juste là. Nous sommes deux, donc nous allons faire celle-ci. On va mettre 4 cartes tout en bas, 3 cartes juste au-dessus et 2 cartes juste au-dessus. Encore au-dessus, pardon. Et du coup, suivant le placement des crânes, on va marquer des points de victoire divers et variés. Hâte que tu perdes. On va jouer chacun son tour. À son tour de jeu, on fait une... Pardon, je vais vous montrer, mais en fait, ici, c'est mieux. On va faire une des 3 actions indiquées. Soit on va creuser, soit on va exhumer, soit on va disposer. C'est rigolo, ce troisième terme, parce que les 2 autres termes sont bien en adéquation avec le thème, mais le troisième, bon... Ouais, c'est poser dans ta pyramide. Ouais, aussi, mais je sais pas... C'est ranger. Autre chose, quoi. Du coup, creuser, qu'est-ce que c'est exactement? On choisit 2 paquets de cartes, on retourne une carte à chaque fois, et on prend une des 2 dans sa main. Attention, petite limite, on n'a pas le droit d'avoir plus de deux cartes en main. Et sachez que c'est le sel du jeu pour moi. Oui. Parce que, comme vous êtes limité à 2 cartes dans la main, bah, il va falloir faire attention à quand vous jouez vos cartes pour vous garder un maximum d'options pour vous et exactement. Beaucoup moins pour l'adversaire. C'est ça qui fait le petit. On va pouvoir aussi exhumer. Du coup, exhumer, c'est le fait de prendre une des cartes déjà face visible, ou alors disposer. C'est le fait de poser une carte dans sa pyramide. Poser une carte dans la pyramide, ça sera forcément en commençant par le bas, mais on n'est pas obligé de faire la ligne complète. 2 cartes plus une suffiront largement. On va pas le droit de faire une pyramide qui se casse la tête. Non, c'est pas la tour de position. Exactement. Et vu que je suis un bon prince, je vais laisser Romain commencer. Oh là là. Quel homme. Ah, je sais. Alors, moi, je vais pas te laisser beaucoup de choix, je vais juste prendre ça. C'est pas mal. Voilà. Parce que les prêtres, j'aime bien être fervent. C'est bien, c'est bien. Alors, du coup, bah, j'ai pas trop le choix. Ah ben je vais creuser. Je creuse ça et ça. Et pareil, c'est un choix plutôt phénoménal. Je vais récupérer celle-ci. Oh, trop bien. Je prends le double, du coup. Parce que je vais commencer ma pyramide. Je pose celle-ci tout en bas, un peu là. Ok, donc toi, t'as un pécor et un voleur. Moi, je suis un voleur-voleur. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Je vais te voler des cartes. Je vais creuser. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. L'écoutez pas, hein, il raconte des conneries. Oh, bon, écoute, le prêtre, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Moi, je vais poser la première carte que j'ai prise, parce que les voleurs doivent être à côté des prêtres, parce que leur vie est pas ouf. Du coup, ils cherchent la rétention. Exactement. Je vais encore creuser. Je te laisse trop de choix si je creuse encore. Eh, hey, parce que moi, j'ai plus de cartes en main. Du coup, non, bah, je du coup, peux faire un peu ce que je veux. Je vais disposer. Ah, oh, le salaud. Pareil, je fais comme Romain, vous avez vu? Eh oui. Je pose aussi. Prêt, t'as mis un roi qui fera pas de points. Mauvais. Alors, encore, pour l'instant. Bah, pour l'instant. Ouais, ouais. Hein. Regarde. Oh, le double prêtre. Si je récupère. Allez, ça. Hop là. Oh là là. La carte la plus fumée du jeu, c'est celle-là. Vous la cherchez, vous la voulez, vous la prenez. Posez vous pas la cherchez, vous la voulez. Ouais, je suis comme ça, moi, je dis des choses bizarres. Je vais prendre celle-ci. Encore un roi. Ouais, moi j'aime bien les rois. Oh là là, le mec. Je suis quelqu'un de très royal. Ah, t'es royal, on dirait dans bien. La vie. Bah écoute, je vais jouer mon double priest. Ici. Pas mal. Je vais encore exhumer. Très bien. Eh bien, je vais creuser. Oh, les premiers amoureux. Un amant. Qu'est-ce les qu'on fait si on a de cet amant? Bah écoute. Tu le prends? Love attitude. Peace. Tu pleuves. Tu pleuves. Plus je vais poser mon roi ici. Ok. Du coup, moi, je vais poser mon amant ici. Parce que les amants, il faut qu'ils soient côte à côte. Il faut qu'il y en ait 2 exactement. Oui, sinon, ça marche pas. Hein. Et du coup, je pourrais poser soit ici, pour qu'il soit adjacent, ou là. Comme ça, j'ai plein de choix. C'est vrai. Mon prochain amant peut être au-dessus ou en dessous. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais prendre.
je vais jouer celle-ci. Au secours, ici. Allez. Creusage. Oh. Ah mais non, mais c'est pas le bon là. Ah là là. Ça marche. Ah si, ouais, mais le prêtre il se remet là, sachant que les prêtres il en faut un seul par ligne, oui, plusieurs par ligne, ça ne suffit pas. Ça ne sert. Du coup, bah, je vais prendre celle-là. Voilà. Bah écoute, tu l'as pas pris, je la prends. Bah je pense que j'aurai mieux plus tard. Bientôt la fin du game. Alors fin du game, t'es gentil, on a quand même pas mal, on a pas fini notre pyramide. Ah, là il reste. Allez, là, il reste. Je vais faire là et là. Pas mal ces amoureux. Là, il fait masse point. Pas mal, ses amours. Je vais prendre celle-ci, du coup. Si tu veux perdre, prends celle-là. Prends celle-là. Bah, moi, je vais la poser là. Parce que amoureux, prêtre voleur. Ah, j'ai pas compris que ça marchait comme ça. Full combo. Mais si, l'adjacence. Pour moi, c'était. C'est pas forcément sur la ouais, ouais, bah, oui, même oui, niveau. C'est moi, adjacent. C'est de ma faute. Hein, c'est ma bah, écoute, si tu es mauvais, je vais celle-ci. Ici, du coup. Maintenant que j'ai cette petite règle en plus. Du coup, ça, c'est quand même pas mal. Il faudrait que je complète un peu ma pyramide, cependant. Du coup, on va faire ça. Et bah, celui-là, je l'aime beaucoup. Méchant. Et oui, parce que les twists, c'est quand même sympa. Méchant, méchant. Si je révèle encore, je te laisse trop de choix. Du coup, je vais peut-être pas révéler. Triste, hein. Ah, quoi qu'il arrive, je vais être obligé de révéler. Hein. Bah non. Qu'est-ce que je révèle maintenant? Bah si. Que je joue, tu vas. Ah, je vais faire. Ah, je peux piocher sinon. Ouais, ouais. Sinon, tu peux piocher. Non, c'est pas mal. Est-ce que je prends lui? Voilà, le choix est dur. Est-ce que tu veux re du roi? Allez, je reprends du roi. Collectionne les rois. Ouais, moi je suis très royal. Bah écoute, non, c'est pas celle que je veux jouer là, c'est celle-là. Boop. Pas mal. Maintenant je vais jouer celle-ci ici. Très bien. Yes, image, c'est ma carte. Je vais creuser. Creuse. Alors. J'ai tellement tout calculé. Je récupère. T'as tout perdu. J'en doute pas une seconde. Celle-ci. Celle-ci, c'est la meilleure. C'est la mienne. Ah zut. Parce qu'il me faudrait ça. Il me faudrait un prêtre pour bien finir en bas. En bas. Ouais. Allez. Est-ce que tu m'échanges cette carte? Non. T'es pas gentil. Ouais, je sais. Bon, je vais prendre celle-ci. Hein. Allez. Après, moi, je me suis entraîné avec ma femme. Tu peux rien faire. Hop, et je vais poser ça là, bam bam, là, on a pensé à tout dans cette pyramide. Des pas mal, crânes hein. Bien alignés, tu vois. Du coup, je veux pas la main, hein. Ah, c'est nul. Bah, c'était pas ce que je voulais, ça tombe bien. C'est nul. Ah, mais je la main, il va me... Ah oui. Parce que le petit truc du jeu, c'est que si vous avez deux amants côte à côte, tout va bien. Si vous en avez trois, ça ne fait rien. Eh oui, c'est dommage, hein. Attends, rien. Bah, je prends ça, ouais. Vu que j'ai du choix. À toi. Je fais ça. Et voilà, c'est l'heure de compter les points. Vas-y, compte tes points. Alors, on va commencer par les pécores, les paysans qu'on voit ici. C'est un point, tout simplement, où qu'ils soient par paysan. Donc, 1, 2, 3, 4 points. Et c'est pour noter les points. Non. Tu comptes le nombre de tics. 4 points. 4 points. Ensuite, on va compter le roi, parce qu'il est par rapport au paysan. Le roi vous donne un point par autre roi ou paysan qui sont en dessous. Du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait... 4. 8 points, il suit à rien. 4 plus 4, quoi. Bref. Ensuite, les prêtres. Les prêtres, ils fonctionnent à chaque niveau. Donc ça, c'est un niveau. Deuxième niveau, 3, 4, 5, 6. Si à chaque niveau, t'as au moins un prêtre, c'est 2 points. Donc, 10, 12, 14, 16. Ok. Ensuite, on va compter les amoureux. J'en ai deux ici qui font des petites choses pas très autorisées parmi les crânes. Et du coup, ça me fait 3 plus 3 encore. J'en étais où? On va compter après. 3 plus 3, voilà, c'est cool. Et ensuite, on a les voleurs qui donnent 2 points s'ils sont adjacents à un prêtre. Du coup, 2, re-2, 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 et bah, lui, bah non, il a pas ses prix. Du coup, on va compter les points. 1, 2, 3, 4, avec le roi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 19, 22. 24, 26, 28, 30, 32. Et moi je vous laisse regarder, mais on va pas compter les points. Ah hein. Combien 20. Allez, la tôle, bim, 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 je l'emporte. Et voilà la crypte de Sedek. Nous, on est, moi personnellement, c'est mon petit préféré de la game. Alors pas moi, mais je l'aime beaucoup quand même. Moi, c'est parti de mon top 3. Mais c'est pas mon préféré. C'est tout simple, tout efficace.
Mais ouais, vraiment bien, la crypte de Sedlec du coup, dans la gamme minigames de chez Matago. On vous embrasse, Matago. Ouais, bonne gamme, bon choix de trop bien les portefeuilles. Ouais, très bien. Ouais. Du coup, comme d'hab, 18 cartes, super cool. Bien. Ça, les parties changent tout le temps. Le fait de jouer, de 2 à 3 joueurs, c'est un petit plus, moi j'aime bien. Oui, cette petite option de 3 joueurs qui est cool, je pourrais jouer avec ma fille de 5 mois, parfait. Et ces petits jeux du coup à emmener en voyage, moi je suis un grand fan, vu que je voyage beaucoup, c'est vraiment les jeux parfaits en backpack. Clairement, c'est les vacances, donc profitez-en, il y en a plein de différents, ils sont tous super cool, du coup n'hésitez pas. C'était notre premier essai d'explication de règles, donc j'espère que ça vous a plu. Sinon, insultez-nous dans les commentaires. On le mérite, on est des salauds. N'hésitez pas, comme ça en plus ça nous fera des commentaires. Ouais, n'hésitez pas. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Petite cloche, bouton abonné, on est sur Instagram, YouTube, vous savez déjà si vous regardez cette vidéo, Facebook, voilà. On est sur tous les réseaux sociaux du monde. Pas tous quand même, parce qu'il y en a certains qui craignent un peu. Mais... Ah, j'ai appris qu'on était sur Snapchat aussi. Le compte, il a genre 10 ans. C'est pas moi qui gère le compte, on est sur Snapchat, on est sur Twitter, mais c'est pas moi qui gère le compte non plus. Ouais, aussi, c'est 10 ans, je pense. Enfin bref, des bisous. Prochaine fois.